Bonjour à tous, bienvenue sur Webspotting, nous sommes jeudi et vous êtes avec Fanny. Bonne nouvelle pour tous les supporters de Kim.com, le créateur de Mega Upload, car après s'être fait arrêter par le FBI, il a de nouveau le droit d'utiliser Internet et donc de s'exprimer librement. Kim.com est depuis plusieurs semaines très présent sur Twitter et la semaine dernière, il a annoncé que son projet Megabox allait renaître de ses cendres. Megabox est un site dont on sait encore peu de choses, mais qui, d'après les premières informations qui avaient fuité, devrait permettre aux artistes de vendre directement leur musique à l'internaute. De nombreux artistes célèbres supporteraient le projet et des sociétés comme Amazon et Gracenote avaient signé des partenariats avec Megabox. De quoi faire trembler les majors. Mais, malheureusement, la naissance du site prévu pour le 21 janvier a été annulée par le FBI la veille avec la perquisition des serveurs de Megabox et Mega Upload. La proximité des dates fait d'ailleurs dire par Kim.com que l'attaque du FBI envers sa société avait surtout été exigée par les ayants droit effrayés. Est-ce un nouveau buzz? Est-ce que Megabox révolutionnera l'industrie musicale sur Internet? Pour le moment, personne ne le sait, mais Kim.com en est convaincu. Nous surveillerons ça de près. Si au bureau ces derniers jours vous avez constaté que votre imprimante faisait des choses étranges, vous êtes peut-être la victime du malware Milicenzo. Ce trojan, qui circule principalement aux États-Unis, en Inde et en Europe, infecte uniquement les PC sous Windows. Et si certains de ces PC sont reliés à des imprimantes, il se charge de lancer en très grand nombre des impressions sans queue ni tête qui ne prennent fin que lorsque l'imprimante a utilisé tout son papier. De quoi donner du travail aux techniciens qui s'occupent de ces machines et enrichir les fabricants de papier. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce malware et savoir comment vous en protéger, je vous invite à flasher le QR code présent sur votre écran. Dans la guerre qui oppose les navigateurs Internet, chacun utilise des ruses pour grappiller quelques dixièmes de mémoire ou de rapidité. La plaie des navigateurs modernes, ce sont les extensions. Car un Firefox ou un Chrome, par exemple, ne maîtrise pas la façon dont certaines extensions utilisent et consomment la mémoire, même lorsqu'elles sont inutilisées. Cela peut donc poser pas mal de problèmes aux utilisateurs qui se retrouvent au fil du temps avec un navigateur Internet de plus en plus poussif. Pour remédier à cela, les développeurs en charge de Chrome et de Chromium ont eu l'excellente idée de mettre au point une fonctionnalité baptisée Event Page qui a la particularité de désactiver les extensions lorsque l'utilisateur ne s'en sert pas. Chaque extension est déchargée de la mémoire lorsque l'internaute a fini de l'utiliser, permettant au navigateur de conserver sa vélocité de jeune fille. Sympa, non ? Pour le moment, Event Page a été intégré uniquement dans les versions développeurs de Chrome et rejoindra bientôt, au cours de l'été, la version bêta et la version stable. Actuellement, lorsque vous achetez un iPad, un iPhone, un iPod ou encore un appareil compatible iPhone comme une chaîne Wi-Fi, un support pour la voiture ou une batterie supplémentaire, cela fonctionne très bien. Car depuis de nombreuses années, le connecteur présent sur les produits Apple est le même. Composé de 30 broches, ce connecteur risque de disparaître avec l'iPhone 5. En effet, d'après les premières informations relatives au futur iPhone, il semblerait que le connecteur n'aura que 19 broches. Et cela pose un énorme problème, puisque tout l'écosystème de produits dérivés autour des iPhone et des iPod sera incompatible avec le nouvel iPhone 5. Ce connecteur rendra obsolète de nombreux produits et les fabricants devront se remettre au boulot en gardant à l'esprit que l'interopérabilité voulue par Apple depuis plusieurs années risque maintenant d'évoluer plus souvent que nécessaire. C'est en effet un bon moyen pour Apple de vendre des nouveaux câbles et des périphériques annexes qui seront cette fois estampillés compatibles avec l'iPhone 5. Cette information n'a pas encore été confirmée par Apple, mais je suis sûre que les fabricants sont déjà en train de concevoir un adaptateur 30 broches vers 19 broches. Et voilà, les news de Webspotting, c'est fini. Nous repartons en quête d'informations pour la semaine prochaine avec Edia. Et moi, je vous dis à dans 15 jours. Bonne semaine !